Première phase terminée au départ du giratoire Étienne Romano vers le ponton de la Darse, avec ses 700 mètres de littoral fraîchement réaménagés, Boca Cabana marque le début d'une promenade d'excellence sur tout le boulevard du Midi, un lieu attractif où, face à la mer, les familles peuvent faire du vélo, mais aussi se promener dans un espace aéré et végétalisé en toute sécurité. C'est une idée que j'avais eue lorsque j'avais préparé mon projet de mandat. J'en avais pris l'engagement, on le respecte. Il reste encore beaucoup de travail, il faudra veiller au bon entretien des lieux. Mais c'est effectivement, je pense, un élément très très fort pour notre qualité de vie dans l'ouest de Cannes, mais également pour l'attractivité de toute la ville. On doit avoir un littoral impeccable. On doit être sur une identité vraiment familiale, qualitative, populaire. Il aura fallu 10 mois de travaux pour réaliser le début de cet endroit unique à Cannes, composé d'aires de fitness, d'une piste cyclable, mais aussi par des bancs et des tables de pique-nique. Ce lieu est aussi desservi par une navette gratuite qui relie les zones de stationnement proches toutes les 15 minutes, où 270 places de parking ont été créées. Boca Cabana continuera sa route à la fin de la saison estivale pour un nouvel embellissement boulevard Jean-Hibert à partir du square Mistral.